Pointe-Noire doit être retirée de la liste des villes du Congo. Pointe-Noire est un village, ce n'est pas une ville, c'est clair. Comment peut-on imaginer une ville économique aussi salée, aussi foutue? Une ville pétrolière, mais qui est une catastrophe rurale. Une ville qui n'a aucun sens. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui on doit plutôt appeler Pointe-Noire village plutôt que ville. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique. On parle de noir, on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité, on parle aussi de la République du Congo. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet-là, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit pouce bleu pour nous soutenir. Jingle. Alors avant qu'on rentre dans les détails, on va déjà clarifier sur Pointe-Noire. Nous parlons ici de Pointe-Noire qui est la capitale économique de la République du Congo, parce qu'il y a deux Pointe-Noires au monde. Et donc, Pointe-Noire est une ville aujourd'hui de 1144 km², avec une population qui est à moins d'1,2 million d'habitants. C'est donc une ville qui est assez grande par rapport à son nombre de la population. C'est une ville pétrolière aujourd'hui, et comme j'ai dit, c'est la capitale économique de la République du Congo. C'est aussi une ville où les gens parlent majoritairement Kituba et français, mais bien entendu, les gens parlent aussi Lingala, parce qu'il y a une multiplicité linguistique, une multiplicité culturelle et ethnique dans la ville de Pointe-Noire. C'est ce qui permet à Pointe-Noire, en réalité, pour des gens qui vivent à Pointe-Noire, d'avoir la capacité et la possibilité de pouvoir parler Lingala, Kituba, français, sans oublier, bien entendu, les langues ethniques en fonction des rapprochements ethniques des parents. Alors, dans ce cas de figure, ce qui fait de Pointe-Noire un village, ce n'est pas du tout le comportement de la population. Sur le comportement de la population, c'était plutôt sur le cas, par exemple, d'une ville comme Brazzaville, comme je l'avais déjà évoqué dans une de mes anciennes vidéos. Il y a certaines personnes à Brazzaville qui vraiment ont des comportements. On a l'impression que c'est limite des comportements d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent avec une certaine forme de tribalisme idéalisé dans leur tête. Vous avez même des gens qui vivent dans un environnement où ils ne parlent qu'une seule langue, ils ont l'impression qu'ils sont dans un village et ne sortent jamais de cet environnement-là. Mais Pointe-Noire, elle va se démarquer d'abord par une chose, la saleté. Une ville très très sale, ça y a rien à dire. Alors, je tiens à rappeler, actuellement, la République du Congo est sale de partout. Pas parce que y a une particularité et que ça a toujours été comme ça, non. C'est parce qu'actuellement, il y a bien entendu une grève de la société qui s'occupe justement d'assainir un petit peu les villes de la République du Congo, et donc on va retrouver la poubelle à peu près partout, que ce soit Brazzaville, toutes les villes du Congo, j'ai envie de dire. Mais Pointe-Noire, avant même cette situation-là, était une ville connue pour être une ville très très sale, avec en plus de ça des routes qui sont énormément foutues, il n'y a rien à dire. Vous prenez les principaux axes de la ville de Pointe-Noire, vous allez trouver des chemins avec des trous où des véhicules ne peuvent pas rouler. Malheureusement, il n'y a personne pour faire des réparations, il n'y a personne pour faire des travaux, on ne comprend pas. Parfois, à Pointe-Noire, il vaut mieux même aller à un endroit à pied qu'aller en voiture. Tellement, c'est la catastrophe. J'avais déjà dit dans une vidéo, pour les gens qui connaissent, alors je ne sais pas c'est quoi le terme du jeu, il y a un jeu chez nous en République du Congo qu'on appelle le Ngola. Donc c'est un jeu où voilà, on va prendre des billes, on va mettre à chaque fois en fonction des trous. Bah, les routes à Pointe-Noire, c'est comme ça, c'est comme un jeu de Ngola. C'est un trou par-ci, un trou par-là, un grand trou par ici, un grand trou par-là. C'est la normalité. Ensuite, on va arriver sur le cas du traçage. La ville de Pointe-Noire est très mal tracée. Vous avez des quartiers aujourd'hui à Pointe-Noire qui s'appellent Kilomètre 4 ou Cam 4. Vous pouvez rentrer dans une parcelle alors que au départ c'était une rue. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes maintenant dans une parcelle. Tellement c'est mal tracé. Vous avez même des quartiers qui n'ont pas de nom de rue. À Pointe-Noire aujourd'hui en 2024, vous avez des quartiers comme Obambi. Obambi est un quartier où aujourd'hui, alors ils ont apparemment sont en train d'enlever tout ça du côté de Pointe-Noire, donc ils vont plutôt appeler ça zone Cuilou. Mais vous avez des quartiers comme ça qui sont très proches de ces zones-là, où finalement il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas la carte cadastrale, comment est-ce qu'elle a été effectuée. Il n'y a pas de nom de rue. Enfin, pour donner des noms de rue, ça devrait pas être difficile, j'ai envie de dire. À partir du moment où il y a un certain nombre d'habitants. Bien entendu, le développement urbain à Pointe-Noire, c'est du n'importe quoi. Pointe-Noire, c'est sans les inondations. Soit parce que les gens vont s'installer dans des zones où il y a beaucoup d'inondations, soit parce que parfois les travaux publics causent des inondations. C'est-à-dire que vous aviez des quartiers où à une certaine époque, il n'y avait pas assez de travaux publics, les gens n'était pas en inondation lorsqu'il y avait des pluies. Une fois qu'il y a eu des travaux publics sur des constructions de routes, mais ces ingénieurs-là ont tellement une réflexion à l'envers qu'ils ne se sont pas rendus compte de mesurer l'impact potentiellement des quantités d'eau qui allaient descendre une fois qu'il allait y avoir des pluies. Ils ont fait des travaux sans avoir mesuré tout ça. Aujourd'hui, à cause de ces travaux, vous avez des gens, dès qu'il y a une pluie, ils plongent. C'est la nage. Vous êtes dans une ville pétrolière, la première activité de la République du Congo, qui représente la quasi-totalité, j'ai envie de dire, de son PIB. Il n'y a aucune université à Pointe-Noire. Aujourd'hui, on parle d'un projet de construction d'une université de Luango, il fallait attendre 2024 pour ce genre de projet-là. Donc une ville avec plus d'un million d'habitants sans université. Mais c'est de la folie. Vous devez savoir que le centre-ville de Pointe-Noire, lorsqu'il pleut, le centre-ville, je le rappelle, c'est Venise. Les gens nagent là-bas, vous n'imaginez pas à quel point.
comment peut-on avoir une ville qu'on appelle aujourd'hui ville économique, mais avec des caractères d'une ville qui est censée être la dernière ville du pays? Mais je me suis posé la question en me disant, mais pourquoi est-ce que la ville de Pointe-Noire est si abandonnée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour faire le job? Parce qu'à un moment donné, il y a bien des responsables de la ville de Pointe-Noire, les maires, les préfets et tout le reste qui doivent faire le job. Ah ben ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne réponse pour vous. Parce que j'avais totalement oublié que Pointe-Noire était un village. Comme je ne cesse de le dire, Pointe-Noire est un village et je vais vous le démontrer pourquoi. Parce que les comportements que l'on voit au niveau des institutions, c'est digne des comportements du village. Figurez-vous que depuis que Pointe-Noire existe quasiment et depuis, on va dire, l'époque après l'indépendance, la plupart des maires de la ville de Pointe-Noire sont toujours des villis. Alors je ne comprends pas pourquoi. Alors il va y avoir certainement quelques imbéciles qui vont écrire que oui, mais Pointe-Noire était un village des villis. Mais les amis, il va falloir faire un choix. Soit Pointe-Noire est une ville, soit Pointe-Noire est un village villis. Et si Pointe-Noire est un village villis, écrivez village villis et non capitale économique. Ça n'a aucun sens. Vous remarquerez que lorsque vous regarderez la liste des maires, bah écoutez, je peux vous en citer quelques-uns. Actuellement, la dame qui est donc maire, c'est Evelyne Titiele, qui est, je crois, la petite fille, en tout cas, qui est parentée avec déjà Monsieur Titiele, qui a été le premier maire de la ville de Pointe-Noire après indépendance. Vous avez, avant elle, il y avait Jean-François Kondo Vili. Vous avez les Roland Witty Viodo. Vous avez les Tister Tikaya. Vous avez les Poibou. C'est que des Vili. On ne comprend pas. Est-ce qu'on prend des gens pour leurs compétences ou on prend des gens parce qu'ils sont Vili? Si c'est une royauté Vili, si c'est une conception Vili, qu'on nous explique, nous, Congolais, pour qu'on comprenne que non, Pointe-Noire est un village de Vili où les gens qui doivent être nommés doivent être des Vili. Dans ce cas de figure-là, on enlève le titre de ville. Donc pour moi, aujourd'hui, Pointe-Noire est un village, Pointe-Noire n'est pas une ville. Non seulement on met des Vili, mais en plus les Vili qu'on met ne font pas le job. Vous savez, dans beaucoup de pays du monde, la capitale économique est souvent l'endroit le plus dense, et souvent l'endroit où justement il y a beaucoup de dynamisme. Pourquoi? Parce que la question politique n'a rien à voir avec la question économique. Et là où il doit y avoir très souvent le plus de gens, c'est là où justement il y a la question économique, là où il y a l'activité principale du pays. Vous avez des cas, des villes comme Abidjan. Abidjan, pour les gens qui ne le savent pas, est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et c'est bien Yamoussoukro qui est la capitale politique. Vous avez le cas de Douala, par exemple, au Cameroun. Vous avez le cas de Johannesburg en Afrique du Sud. Vous avez le cas de Lagos au Nigeria. Vous avez le cas de New York aux États-Unis. Quand on arrive en République du Congo, vous avez Pointe-Noire qui est la poubelle. Quand on regarde Brazzaville, alors que Brazzaville est un quartier, j'ai envie de dire. La taille de Brazzaville, c'est limite la taille d'un quartier. Un petit espace avec énormément de personnes qui vivent dedans. Je ne comprends pas tout ça pourquoi. Parce qu'effectivement, l'activité économique, là où il y a de plus d'argent, c'est dans la capitale politique. Alors pourquoi donc donner le titre de capitale économique à la ville de Pointe-Noire? Est-ce que c'est seulement à cause de la production pétrolière qui ne sert strictement à rien à cette ville-là? Je ne comprends pas. Vous avez un grand espace qui s'appelle Pointe-Noire où on donne finalement, j'ai l'impression, des postes aux personnes sous prétexte qu'ils soient vili au lieu de donner aux gens compétents. Aujourd'hui, on nous montre à chaque fois le degré d'incompétence. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Je ne sais pas ce que font les politiques du Congo, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus abuser. Nous sommes quand même dans une grande ville où il y a plus de 1,2 million d'habitants, où même les routes, les gens ne sont pas foutus de construire les routes. Vous imaginez, quand il pleut à Pointe-Noire, c'est la piscine partout. Et moi, je pense qu'il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. À un moment donné, on ne peut pas continuer à vivre ainsi. Déjà là, il y a des problèmes, des taxes qu'on veut inventer encore aux gens alors que les gens souffrent énormément. Et puis, vous avez des villages comme Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire est un village maintenant, ça vous le savez, hein, on peut le dire. Des villages comme Pointe-Noire avec énormément de personnes qui y sont, qui ne savent pas comment s'en sortir. On leur explique encore que malgré les inondations, malgré que les routes sont foutues et qu'on ne peut pas finalement leur permettre de faire de vraies activités pour utiliser la route, malgré qu'il y a des problèmes d'électricité, malgré qu'il y a des problèmes d'eau, on va encore leur ajouter une taxe quelconque dans un village. Mais expliquez-nous comment est-ce que c'est censé fonctionner. Dans un village, on va voir le chef du village qui nous dit comment est-ce que le monde fonctionne. Donc, en tout cas, pour les habitants de Pointe-Noire, pour les gens qui habitent Pointe-Noire, sachez maintenant que vous êtes dans un village, vous n'êtes pas dans une ville. Jusqu'à ce qu'un jour, on décide de construire cette région-là que je vais appeler Pointe-Noire pour que ça devienne réellement une ville et pas un village comme aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes de Pointe-Noire, je pense que vous avez constaté un certain nombre de choses. Ça ne sert à rien de faire des défenseurs de votre village parce que vous êtes de Pointe-Noire. Quand quelque chose est mal fait, quand quelque chose est nul, quand quelque chose est sale, il faut savoir le reconnaître. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et partagez cette vidéo au maximum aux habitants de Pointe-Noire pour qu'ils puissent la regarder. Imen.